La situation au Soudan et au Soudan du Sud a atteint un point critique. Elle est devenue une menace majeure pour la paix et la sécurité à travers la région. C'est la responsabilité de l'Union africaine et de ses partenaires internationaux, y compris les Nations unies, de doubler les efforts pour trouver des solutions au litige et pour renforcer les liens de confiance entre ces deux pays. Le président Salva Kiir et le président Omar el-Béchir doivent faire des compromis et faire preuve de flexibilité en s'engageant avec des promesses, une volonté politique affichée. Tout particulièrement, je demande au président Omar el-Béchir de coopérer pleinement avec les opérations des Nations Unies sur place. Les gardiens de la paix des forces MINUAD et UNIFSA n'ont pas de liberté de mouvement, car il y a un manque de coopération. Because of lack of cooperation.